Salut à tous les amis, c'est Learn2Play, je suis toujours en compagnie de Stags. Salut Stags! Yo. Au rapport! Et donc c'est parti, on continue pour Star Wars The Old Republic, bitches! Donc on avait commencé deux quêtes, il me semble. Une quête qui demandait d'aller dans une grotte pour aller chercher les minerais. On avait interrogé le chef des Ewokis, Odef, qui avait une tronche un petit peu chelou et qui se faisait maltraiter avant que j'arrive. Et là, comme un espèce de d'idiot, j'ai fait des points pour le bien. Alors que ce n'était pas prévu normalement. Nous, on est méchants. Et on devait aller faire autre chose aussi, il me semble. Ah oui, on devait aider un vieux qui était malade. Qui avait une infection et il voulait que qu'on s'occupe de l'environnement. Parce qu'il a plus de D'ailleurs. poumons, le vieux. Voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, En même on temps. doit passer par où? D'ailleurs, Vers t'es... là où je suis. D'accord. T'es dans la flotte et tu joues là. Qu'est-ce que tu fais? Yep. On va passer par là. C'est où? Ah d'accord. On monte la colline. Yep. Sur cette caméra, cette caméra. Je suis un vieux clampin. J'arrive même pas à monter la colline. Oh c'est bon. Et cours, mais tu longes le mur, écoute. Je te suis, je te suis, je te suis. C'est bon. Par la console là où je suis, et ensuite par le mec. Ok. Tac. C'est parti. Je vais les tuer! Je vais les tuer! Voilà ce que je vais faire! Je vais prendre mon blaster! Oh, pardon, je... J'avais pas vu que vous étiez là. Yo! Pitié! Je vous ai déjà tout donné. J'ai déjà payé pour ma protection. Pitié! En attente, je ne veux pas le savoir. Payez-moi ou vous paierez le prix. Pitié! J'ai déjà payé la protection de ce mois. J'ai besoin du peu qu'il me reste pour nourrir ma famille. Je vous en prie! Donald, il ne ressemble pas aux sbires de Fatra. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aller à la ferme de mon frère. Il y a un coffre caché dans les chevrons. Tuez autant de sbires de Fatra qu'il le faudra pour le prendre. Apportez-moi le coffre, et vous aurez les richesses qu'il renferme. D'accord. Ouais, je comprends que pas. Font les sbires de Fatra dans la ferme de votre frère? Ils ont tué mon frère. Ils ont pris sa ferme parce qu'il ne pouvait plus payer ce qu'on lui extorquait. Ce coffre est dans Ah, ma c'est famille faible. depuis des générations. Je suis le seul à savoir comment l'ouvrir, maintenant que les sbires de Fatra ont tué mon frère. Vous voulez votre paye? Elle est dedans. D'accord. Ok, on doit aller chercher un coffre et on doit buter tous les sbires de Fatra. Mais c'est qui en fait Fatra déjà? C'est le frère de Nemro. Ah d'accord, c'est une grosse larve amorphe Son qui... cousin, je sais plus, mais ouais, c'est un autre hut. D'accord, ok. On va par ici alors, non? Tu veux faire quoi en premier? Comme tu veux. Moi j'aimerais bien aller dans la grotte là du mec qui se faisait maltraiter là. Odef, les Wookie. Oui, sauf que moi j'ai le genre d'anglais, donc je peux pas dire où c'est en fait. C'est quoi? C'est au nord-est par rapport à ici? Comment je fais pour le savoir ça d'ailleurs? Tu fais L. Elle, tout à fait. Choisis la quête que tu veux. Non, c'est pas ça. Tu regardes sur ta map, donc tu fais M. Tu passes par-dessus l'objectif au nord-est. Et tu me dis c'est ça. Au nord-est. Nord-est par rapport à nous, pas nord-est de la carte. Attends, mais déjà c'est où le L'espèce nord? de petit rectangle avec une flèche verte. Ouais, mais là c'est protection. Ok, est-ce que quête que tu veux faire toi? Tu sais, la grotte, le Oui, mais vieux elle là. s'appelle comment ta quête? Je sais pas alors. Hein. Comment on fait pour savoir? L'homme à la voix métallique. Ah, c'est ça, l'homme à la voix métallique, mais comment? Elle est Ah, où? ça c'est une héroïque, donc faudra attendre un peu quand même. D'accord, ok. Bon, on va faire protection alors, on va aller à la ferme. Ok. Go alors. Hein. C'est par ici. Je sors mon blaster. Dis-moi, c'est quand qu'on pourra se faire un stuff décent? Une petite armure sympa. En sortant de cette planète déjà normalement t'as une armure correcte. Ok. Yeah. On gère là. Bon, en même temps, ils sont pas très compliqués à tuer. Hein. Tire-toi J'espère. deux, déjà tout seul c'est pas dur, alors à deux. Ouais. Mais j'espère que ouais, la difficulté est beaucoup plus élevée. Plus tard. Bah quand tu level up évidemment. Enfin, après c'est un MMORPG hein, donc t'attends pas à avoir beaucoup de difficultés du contenu de leveling.
D'accord, ok. À part les quêtes héroïques et tout ça. Okay. D'ailleurs, on est allé un peu loin là. Ah oui, effectivement. J'avais pas remarqué. Prendre la quête là-bas. Non, on va d'abord, d'abord s'occuper d'ici. C'est cette espèce de gros bâtiment, il me semble, non? Ouais. Ok. Donc on va devoir tuer tous les. Hello. Hop là. Oh purée, lui il a rien compris. Il a rien pipé. Il y a encore des mecs ici. Ah ouais. Yep. Ah mais il y a quelqu'un d'autre qui le fait avec nous en fait. Ouais. Ah, bon on est trois alors résultat. Ah. Yo les mecs. Ah il y a un chef des clients. Alors attends. Faut que je trouve pas toucher. Je vais toucher là si je fais la grenade. Ah, ah, il résiste aux explosions ce connard. C'est bon, t'inquiète pas, il est décédé. C'est bon, j'ai ok, faut trouver la valise. Qui est dans la pièce d'à côté. Valise. T'es sûr? Ouais, sauf qu'il y a l'autre connard qui vient de la prendre en fait. Ah, comment on fait alors? Et ben soit on attend, et dans quel cas on va perdre du temps, même faudrait que tu le coupes au montage, soit. Ah non, c'est bon. Viens, faut que tu sautes, que tu montes. Où ça? Ah oui d'accord, ok. Oula. J'ai pris un peu de drogue, on va dire. Oui, je te dis de baisser la sensibilité, de toute façon il m'a pas voulu le faire. T'inquiète pas, je vais le faire. C'est bon, prendre tout. On l'a pillé comme des gros enfoirés. Il y a encore des mecs. Ok, bon bah moi j'arrive quand tout est fini. Ok, on peut y aller. Ok. Faut qu'on aille voir. Attends, j'ai encore un truc à faire devant. Ah, dedans, oui, bah oui, on est censé tuer une dizaine de mecs en fait. Ah d'accord, ok. Plus de récupérer le truc. Ok, bah je reviens dans la salle. Le problème c'est que comme on est 4 dans le truc maintenant, ça va être encore plus long. Ah, on est 4, ok, faut attendre qu'ils repop les... Ouais. Attends, on peut faire des figures, wouhou! Ah non, merde, je peux pas. Ah non, oui, d'accord, faut que tu sois en combat pour... J'ai compris. Je vais essayer Taïad après, pour voir ce que ça donne. Mais en attendant qu'ils se ramènent les autres. D'ailleurs, on va voir... Non, y a personne dehors. Je vais voir dans l'autre salle. Voir... Ah, ils ont ripop. Ici? Dans la première? Non, dans l'autre salle. Ok, mais y'a des gens en train de tuer déjà. Ouais. Mais attends, mais je ça ne lui compte pas, c'est pour ça que moi je campe la première salle en fait. Attends, mais y'a quelqu'un qui tue mais il est invisible. D'accord. C'est normal. T'as encore tué les mecs? Putain mais ils ont pas encore pop. D'accord. Ils pop. Voilà. Ouais, je fais. Voilà. Ok, donc j'ai pas vraiment compris comment ça marche Taïad. Faut que je sois au cac. D'accord, ok. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc, on testera ça. Pour l'instant, grenade frag, tir embusqué. Ça peut être pas mal, tir embusqué. J'adore sortir le blaster, c'est... Donc lui, on va lui parler. C'est parti. Yo ! Vous ne ressemblez pas aux hommes de Fatra. Allez-y. Dites à tout le monde qui je suis pendant que vous y êtes. Je m'appelle Guédron. Guédron me paye pour m'occuper de ses problèmes, comme la perte de ses usines. L'usine de l'autre côté appartenait à Nemro avant, mais Fatra l'a prise. Maintenant, il fabrique des armes pour s'en servir contre Nemro. C'est mauvais pour les affaires. Ah bah alors s'il s'en sert... Si je m'en chargeais pour vous... Allez. Je suis doué pour chasser les problèmes, si ça vous intéresse. Marché conclu. Les tunnels d'accès vous conduiront à l'usine. Fatra a placé beaucoup d'hommes armés là-bas, mais ce n'est pas assez. Les terminaux de sécurité de l'usine sont dans les tunnels. Arrêtez-les, et vous pourrez mettre un terme à toute l'opération de Fatra. Son équipement, ses droïdes, ses techniciens, tout. Ah, parfait. Il n'y a pas une minute à perdre. Allez faire réfléchir Fatra. Ok, bon, on fait ça alors. Ouais. C'est parti. Go. Alors apparemment il va y avoir pas mal de mecs à l'intérieur. Ils ont placé des droïdes et des trucs comme ça. C'est une quête héroïque. Ok d'accord. Donc ici je suppose que ça va pop en masse. Non ça pop en masse surtout que les adversaires sont plus forts.
T'as oublié de cliquer sur le panel, sur le mur. Ah oui, mince. C'est où le panel? C'est bon, je l'ai éclaté. Ah d'accord. Ça te l'a compté ou pas? Je sais pas. C'était affiché 1 sur 4 Je crois pas, non. Non. Attends, je vais le buter celui-là. Et comment je fais? Je t'approche, tu prends. Ah si, ça me l'a compté. Pardon, autant pour moi. Oula, j'ai un lag. Ça me l'a compté, ça me l'a compté. Ok, ça me l'a compté aussi. Y en a un là. Ok, 3, c'est parti, on continue. Putain, y'a personne, ils sont déjà tous morts. Ouais, en fait, ils sont tous décédés. Je crois qu'il y en a dans le fond, j'entends des bruits, mais je suis pas sûr. C'est pas grave, ici. Ok, c'est bon. Vaincre les ingénieurs industriels. Par rapport à la map, faut qu'on aille au bout, qu'on prenne à gauche, qu'on prenne tout droit. Ok, pas de problème. Pour l'instant ici c'est désert, il n'y a pas trop de soucis à se faire niveau ennemi. Ouais, enfin sur le retour ça va être plus tendu je pense. Hein, parce qu'ils auront tous le temps de repop donc... Ah, il y a des monstres arbres quand même. Hein. Des créatures un peu... Ah bah tiens, il y a déjà des... Trois chasseurs de primes en face. Il y a déjà des gens en fait, c'est ça le truc. Et nous on se ramène, c'est... C'est gentil, merci d'avoir fait le boulot. Bon, remarque, nous ça nous fait pas d'XP donc... C'est un peu un inconvénient. Dans un sens. Tic 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 tic. Quel beau chien orange. Ah, y'a des types là. Ah, ils ont des sabres laser, faut faire gaffe. Ils ont des druides. Oh, j'ai l'impression qu'il va péter là, non? Non, c'est bon. Les ingénieurs industriels, c'est les robots ou c'est les types? C'est ceux avec marqué au-dessus de leur tête, ingénieurs industriels. C'est exact, et j'avais pas vu ça comme ça. Mais... Donc ça doit être les robots, à mon avis. Ils ont pas grand-chose sur les types. Par contre, j'ai plus de vie. Je vais peut-être prendre un petit micro. Fais égal. Égal. Sur ton clavier. Tout à fait. Récupération. Ah, pas mal, sympa. Ah oui, c'est ça qui... Donc il y a le petit droïde. Ah ouais, classe. Imagine, plus tard, ce sera ça le futur. D'XP purée, on XP plutôt pas mal hein. Je crois qu'il faut qu'on retourne dans le tunnel parce que ceux qu'on tue dehors c'est pas ceux qu'il nous faut pour la quête. Ah ouais, ça c'est des bruits d'explosifs. Ouais, il y a des mecs avec des épées. Olé, 360 en sautant, il a rien compris. Ils ont vraiment jamais rien sur eux. Donc on retourne dans le tunnel ou pas? Si je retrouve l'entrée. Attends, c'est là-bas, je m'en souviens. Ah, ah mais non, d'accord, faut aller dans l'usine. Ok. Bah go alors. Yep. Attends, je sors mon fusil parce que... Yeah. Je suis niveau 4, il me faut 2500 points pour passer niveau 5. Est-ce qu'on peut crafter ces armes? Oui. Comme dans une mémoire RPG. Oui. Oui, le craft va être un peu plus complexe par contre, d'autant que toi qui es en F2P, t'auras droit qu'à un métier. Ok. Alors que moi en premium j'ai droit à deux, c'est-à-dire que je peux avoir et un métier de collecte et un métier de craft. Sauf que les métiers de collecte en fait dans le jeu marchent aussi avec tes compagnons. C'est-à-dire que t'envoies tes compagnons faire des quêtes pour récupérer des matériaux et toutes ces conneries. Ok. Premier compagnon, tu l'auras en quittant la... Non, on devrait pas tarder à l'avoir le premier compagnon en fait. Juste 3, 4, 4 principal. Ok, donc ici il y a du monde aussi, et du coup il y a plus personne déjà. Il était... Bah en fait ils sont tous en haut, en fait, viens voir. Il y a déjà tout le monde qui sont... Ils sont tous en haut. On va dire que c'est principalement ça qui fait que c'est un MMORPG. Que ce soit casse-cou. Bon, on va pas se plaindre, l'histoire elle a l'air d'être sympa. Mais ouais. Plus tard, parce que pour l'instant, voilà, c'est très sommaire et... Voilà. C'est pas... D'accord, donc ils ont déjà tout pris les mecs. C'est génial. On est censé attendre en fait. Ouais. Attends, on va activer ça. On a vraiment pas de chance. Okay. Je crois qu'on est sur une heure de pointe en fait. Ouais, c'est ça. Les unités de fabrication. Il n'y en a pas une autre là-bas, non?
Attends, ça ressemble à quoi? Si, il y en a une autre là-bas. Je crois qu'elle a déjà été pétée. Ouais, ouais, elle a déjà été pétée. Ils ont déjà pété. Pété. Ah, il y a des mecs en bas. Okay. Ah merde! Ah, je suis tombé. Oh les vols. Oh, oh. Et ils font mal, hein. Ah mince, mince, mince. Viens m'aider. Je suis déjà en train de t'aider, je suis en haut. Utilise un medipack. Ah, je suis décédé. Trop tard. Je suis décédé. Ah, je me suis fait éclater. Okay. Qu'est-ce que je fais? Tu peux venir me ressusciter? Ah, mais ils sont niveau 7, man. Ils sont d'accord. Niveau 7 et élite, niveau 4. Ok, bon. On fait quoi? Appelle-toi un drone. Faut d'abord que je quitte la zone puisque je suis en combat. Ou que je me fasse tuer aussi. Pourquoi pas, voilà. D'ailleurs, non. Ah, appelez une sonde médicale. Ouais, appelez une sonde médicale. Non, mais appelle pas de sonde. Retourne trop tard. Dur. J'ai appelé une sonde médicale qui est censée me soigner. Ah bah voilà. Mais c'est gratuit de toute façon. Je vais faire une petite récupération. T'es où? Bah moi je suis allé à un centre. Regarde ta map, je suis plus au sud. Ah mais toi aussi t'es décédé, d'accord. Bah oui. Par contre, putain. Oh. Mais c'est où la sortie? Oh, j'en sais rien, c'est pour ça en fait, surtout. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Et ils font vraiment très mal. Et il me suit en plus, et il tire de très loin. Ok, bah, bon, faut qu'on se retrouve. Y a deux quêtes à prendre ici. Ah mince. Et ils font vraiment très mal, hein. J'essaie de lui lancer une grenade frag et je suis encore mort. J'ai réussi à le tuer et évidemment il y avait quelque chose sur lui. Tu crois que j'appelle une sonde médicale? Non. Pour au centre. Ok. C'est bon, j'y suis. Donc je te vois, il y a une quête à prendre ici, ok. Ok. Participer. Ezra, laisse-moi y aller. Il n'y a plus rien à manger dans toute la colonie. Oh, comment espères-tu faire quoi que ce soit avec ta jambe? C'est pas aussi grave que ça en a l'air, femme. Les hommes de Fatra ne mourront pas une deuxième fois. Femme. Les hommes de Fatra vous ont tiré dessus? Petit problème de compréhension. Rien de bien grave, ton jeune. Pardonnez, monsieur. Ah, bravo. Depuis qu'il s'est fait tirer dessus, il a perdu la raison. Oh, il y a des gros bruits de chasse. Sur les chantiers de Rouille, comme tout le monde ici. À l'époque où ils appartenaient à Rouille, Fatra a repris les chantiers. Et il a forcé tout le monde à partir. À présent, on n'arrive pas à trouver du travail. Et on n'a plus rien à manger. Ah bravo, ils ont plus rien à manger. Et vous êtes fiers de vous. Vous avez faim? Et alors? Vous voulez en venir où avec votre mélo? Ces gens n'ont rien à faire de nous, Ezra. Ne leur fais pas perdre leur temps. Tais-toi, vieux fou. Un vieux fou. On meurt de faim, étranger. Rende vol des vieilles unités d'énergie sur les chantiers de Rouille pour les échanger contre de la nourriture. Mon mari n'est pas bien. Mais si vous alliez nous chercher de vieilles unités d'énergie, on pourrait avoir de quoi manger pour plusieurs semaines. Rapportez-nous suffisamment d'unités d'énergie rechargées et on vous donnera tout ce qu'on a. D'accord. On verra si j'ai le temps. Oh, allez au chantier de Rouille et ramassez de vieilles unités d'énergie. Les hommes de Fatra gaspillent beaucoup, il devrait y en avoir plein là-bas. Mais vous devez recharger les unités d'énergie grâce à la centrale électrique avant de les rapporter ici. Ok, ça c'est rapide. On va devoir aller les recharger, ok. Alors let's go, hein, allons-y. Le truc pour l'instant c'est qu'on prend beaucoup de quêtes mais on n'en fait pas beaucoup. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est où? Ça c'est juste derrière, c'est devant là où on était. Ok. Bah c'est parti alors. Je sors mon blaster pour la classe de la chose. Ah, encore des trucs. Yeah. Et fais gaffe, y'a les robots explosifs, j'ai pas vraiment compris comment ils marchent en fait. Ils pètent quand ils approchent trop près de toi ou... Ok, mais en fait on a avancé beaucoup trop vite, je trouve. Puis tout ça c'est du niveau 7, hein. D'accord. Bon, c'est pas grave, ça fait du level. C'est vrai qu'il est pas très puissant le blaster qu'on a. Surtout nos compétences, ils font pas beaucoup de dégâts. Donc là j'ai les quarts de niveau. Ouais, ça c'est qu'un détail, c'est dans la tête tout ça en vrai. C'est... Ah, j'ai châssis de droïde. Butin d'équipe. C'est de l'armure lourde, on peut pas le porter. Qu'est-ce qu'on met à besoin, avidité? Cupid.
avidité donc. Yep. Ok, et ça fait quoi en fait? Ça fait un lancer de dé. C'est marqué en haut à gauche. Et ça on peut pas s'en servir parce que c'est pas pour notre classe, donc pareil. Avidité, ok. Let's go. Et y a encore un truc à récupérer. Attends, moi je récupère tout, hein. Tous les cadavres, je les fouille. Hein. Ok. Yeah. Yeah, succès obtenu. Mettre en pièce les droïdes de Fatra. Ah, attends, il a encore quelque chose sur lui. C'est pratique, on se fait pas mal de crédits. Ah bah en fait il a pété tout seul, j'ai pas compris. Ok bon. Donc il faut qu'on récupère les cellules d'énergie. Ça ressemble à quoi au fait? Parce... Ah il y en a une là je crois. Ouais, il y en a une là. Ok, je m'occupe des droïdes. Ok vas-y, pas de problème. Tout est dans le travail d'équipe bien évidemment. Prendre tout. Je vais t'aider un petit peu. Yeah, j'en ai un. La petite roulade qui fait tout. La petite roulade qui a la... je crois que t'as un type derrière toi. Regarde. Ah, t'es mort. J'ai cru que je suis mort. Ah, bah c'est pas grave. C'est pas comme une main. Je vais... Ah, attendez. Ah mince. Oh, c'est dangereux ce que je fais, c'est dangereux. Le fait de te mettre accroupi derrière quelque chose, ça fait que pendant que t'es pas en train d'attaquer, ça encaisse les coups. Ah bah d'accord, bon bah je suis mort. Donc on va retourner, je vais retourner au centre médical. T'as là on enchaîne les... Oui je te dis, c'est trop HL pour nous en fait. D'accord, ok. C'est pas très grave, on arrive quand même à s'en sortir. Ah, par contre, au corps à corps ils font beaucoup de dégâts. Peut-être aller faire des quêtes plutôt mes combos, non? Écoute, ce serait une bonne idée. Hop là, c'est bon, je me suis fait trois types. Ils ont rien compris. Au fait, j'ai récupéré une cellule d'énergie, il me semble. Attends. Elle y est plus? Ah merde, je crois qu'ils m'ont plus compté. Je crois que vu que je suis mort, ils m'ont plus compté. Tout à l'heure, on m'en fout. Bon bah viens, on va essayer de faire un truc de notre niveau. Bah en fait je viens de regarder, on n'a pas de quête de notre niveau. D'accord. Participer. On vous connaît. On vous est vu dans les environs du palais de Nemro. Non c'est pas vrai. J'ai entendu parler de votre réputation. Intéressant. Ouais, tout est fait. On m'appelle Cray. Payé par Nemro pour saboter Fatra. Mon but est de mettre un terme à la guerre des Huttes en secret. Bon travail, très excitant. Et appris qu'il y a une faille dans la sécurité de Nemro. La reboucher avant que Fatra la découvre. Vous voulez m'aider? Ouais, pourquoi pas. Mais rentable. Non. Tant qu'il y a de l'argent. Vous parlez bizarrement, j'ai envie de Je vais devoir vous demander un supplément pour comprendre votre chef. Conversation fait partie de la mission. C'est... Déjà comprise dans paiement. Patrouille de Fatra a capturé contrebandier de Nemro au cours d'une descente. Mais le savait pas. Patrouille de Fatra a jeté contrebandier dans les chantiers de rouille comme esclave. Les fous. Contrebandier au courant des affaires de Nemro. Ah mais d'accord, il parle pas si complètement. Si contrebandier découvert, promis. Ouais, je joue à la Yoda. Action immédiate nécessaire. D'accord. Oui. C'est pas si grave que ça. Qu'est-ce que ce contrebandier sait? Beaucoup. Si contrebandier parle, Fatra aura l'avantage. Inacceptable. Objectif de mission. Utiliser cet appareil. Désactiver collier d'esclaves du contrebandier et le libérer. Si appareil échoue, permission de prendre des mesures radicales. Objectif de rechange. Faire taire contrebandier à jamais. Prendre puce à la base du crâne du contrebandier. Comme preuve. Bon, tu sais déjà ce qui va lui arriver. C'est bien d'avoir le choix. Quel est le problème? Enjeu très important, oui.
Fatra ne doit pas découvrir identité ni secret du contrebandier. Bon bah alors s'il doit Zeven pas découvrir emprisonné dans l'enclos des esclaves des chantiers de rouille. Ah ok. Signe distinctif, peau verte, tatouage, nerveux. Espèce, Myrialan. D'accord. Ok, bon. Eh ben écoute, allons-y. J'arrive. Hein. Je peux pas le tuer d'ailleurs, non? Non, ah, c'est dommage. Oh god! What's that? C'est quoi ce truc? Mais quoi? Ah c'est ignoble. Ah ouais, on va avoir une quête avec lui tout à l'heure. Ah d'accord, il est juste dégueulasse. Bon. Grave. Il n'a pas été. Ah oui, il parle très bizarrement aussi. Bon bref. Passons, passons. On va faire... Où t'es d'ailleurs parce que... La quête de Donald. Devant moi. Ok. La protection quoi. Ok. Yeah. En avant. Il y a un truc qui vole là-bas. Bref. Shit. Et il y a un gros lézard là-bas aussi. Ouais, tu peux le tuer si ça t'éclate. Attends, j'ai envie de tuer cette bestiole là. Wow, wow, wow. Oh eh, en fait c'est un piaf bizarre. Je crois qu'il y a un gros lézard qui t'attaque, mais je suis pas sûr. Oh attends, je lui envoie une grenade. Wow, 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 wow. Attends, il faut que je m'y fasse à ce contrôle de... Oh j'ai... Oh sans faire exprès, j'ai utilisé ma compétence tireur embusqué et j'ai fait un one shot. C'est pas beau ça? Attends, je récupère ce qu'il avait sur lui. Il avait des écailles rugueuses. Ok, bon, c'est pas grave. Ah, il y a des types là aussi. Petite grenade les mecs. Bon pour l'instant ça va, là je me l'ai fait sans trop de problèmes. T'es parti où? J'arrive. Ah ok t'es là. Yeah. Trop de swag. C'est quoi ça à droite? Ah ouais. Je crois qu'il y a une cellule. Attends, il y a un lézard. On le laisse. Pourquoi je me fais tirer dessus? En fait. Ah oui merci. Vas-y, vas-y, prends l'aggro parce que... Vas-y, vas-y, vas-y. Là, il est coriace, hein. On va faire... Je peux pas faire tir embusqué. Oh yeah, magnifique. Bah en fait, il a rien sur lui. Donc ça, qu'est-ce qu'on doit en faire? Totem évoqué. 300 XP. D'accord. Pas mal. C'est quoi en fait les entrées du codex Evocar? Tu verras tout à l'heure. Ok. Et encore des types là. Pourquoi je peux pas... Ah oui, c'est grenade. C'est bon, j'avais trouvé. Ah, bien joué. On commence à être complémentaire. Là, c'est pas trop compliqué, donc ça peut aller. 11 crédits. Ah, je les ai pas pris. Si, c'est bon. Bah let's go hein. T'es où? Ah d'accord, tu récupères. Ah, j'ai récupéré toute ma vie moi bizarrement. Attends, y'a encore deux. Grenade. Oh le pauvre, il s'est pris double grenade frag. Eh hey, tu m'as volé ma place. Oh le tireur embusqué de fou. Attends, je prends les crédits et le cylindre de gaz. Et néanmoins on arrive déjà aux 29 minutes. Encore. On voit pas le temps passer, ouais, effectivement. Ouais. Putain. On voit pas le temps passer. Bon, mais on valide cette quête et puis voilà. Ok, ouais, on valide le... Vas-y, c'est bon. Débarrer la conversation. Vous avez réussi? Vous avez trouvé le coffre? Le trésor? Tout à fait. J'espère que vous avez dû tuer de nombreuses bières de Fatra. Ah, t'es déjà dans la conversation, bâtard. Ah, bah ouais. Ça me l'a bugué, puisqu'on a cliqué en même temps. Oui, oui. Ça a intérêt à en valoir la peine. Ah, je veux le fric moi. Faut un petit coup ici pour l'ouvrir. Un petit... J'ai cru, c'est une petite couille ici pour l'ouvrir. Faut que j'arrête. Il y a à l'intérieur est à vous. Maintenant, veuillez nous laisser tranquille. Je crois que t'as level up là. Yep. Et moi je suis pas encore...
Par contre, j'ai gagné un guêtre en tissage dur. Ah si, si c'est bon, c'est bon, c'est bon. En fait, faut que j'accepte. Ah yeah, j'ai un nouveau pantalon. Nouveau pantalon, je suis niveau 5. Donc on va s'arrêter ici, hein, mon ami. Yep. Et on reprendra la prochaine fois. Sur ce, à la prochaine et portez-vous bien. Tchou.